Let's start? Yeah, sure. Okay, sharding sucks. CEO, the smartest one, born in 1981, Anatoly Yakovenko. CEO, the coolest one, born in 1981, Anatoly Yakovenko. Come on, Toly, you can do it. Pave the way, put your brains into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Proof of history's time is starting, liberating us from sharding. Fastest speed. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Ouais, je coupe le retour. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Et tout marche bien pour ce soir? Pour se retrouver ce soir, encore un petit live où je suis tout seul. Où tout va mal. Non, tout va mal. On va parler de l'actualité forcément du jour de Binance. Excusez-moi, j'ai pris la gourde Binance et le t-shirt Binance pour l'occasion. C'est prévu, on a mis le costume de rigueur. Au début, je voulais. C'était le dernier live où il n'y avait pas. Je crois que c'est le dernier live où il n'y avait pas jus. Et je voulais faire mon petit. Ma petite masterclass sur Fuel, on est tant tranquille qu'il soit pas là, mais finalement, finalement, on va parler de l'actualité. Hein. Puis en plus, pour tout vous dire, j'ai appris vendredi que j'allais voir, en plus, avoir un call avec les ambassadeurs de Fuel, avec le CEO, et avoir peut-être d'autres informations, plus d'actualité à vous partager. Et l'actualité fait que. Enfin, on va en parler forcément hein, de Binance, du marché qui du coup BTC qui plonge, tout qui plonge, alors que tout allait bien ce matin, on était content. Le week-end s'était bien passé, on était heureux, on est reparti avec la régulation US qui en réalité c'était prévisible. Hein. Enfin, moi je suis pas très surpris par cette actualité. Donc pour revenir pour ceux qui viennent de rejoindre et qui étaient dans une qui ont pas suivi tout le monde en parle, c'est tout simplement la SEC, donc qui est l'équivalent de l'AMF en France, qui est l'autorité des marchés en gros aux États-Unis, qui continue en fait post FTX, post bull run à nettoyer un peu les placards et à réguler tout ce qu'il faut réguler aux États-Unis à tort ou à raison, il s'attaque un peu à tout ce qui est crypto en réalité. Kraken y est passé, ils ont payé une amende. Coinbase, ils sont je crois aussi ou par la SEC, et là maintenant c'est Binance US qui se prennent le coup de bambou, donc c'est classique. J'ai pas tout, bien entendu, j'ai pas lu tout le rapport, j'ai pas ni lu tout ce qui se passe, tout ce qui était CZ vs SEC vs Binance, ce qui se passe et ce qui leur reproche. Tiens, on va ouvrir la réponse. Ce qui leur reproche, ce qui leur reproche est simple, c'est d'avoir listé et parce que là j'ai ouvert le rapport. Ce qui leur reproche et ce qui fait le tour partout, c'est d'avoir listé les tokens qui ne sont pas, qui sont des securities, qui sont selon la SEC des securities. Donc qui ne sont pas des jetons, qui sont des assets financiers qui devraient être enregistrés. Elle est où la bonne page du début? Là on a toutes les cryptos. Vous savez que je l'avais lu un petit peu. Donc on remonte, c'est feuillu. Tu apprends pas grand chose, mais en réalité c'est rigolo parce qu'ils décrivent un peu les cryptos. Donc ils nous disent que Binance a lancé sur leur plateforme au trading des assets qui n'auraient pas dû avoir droit,
qui aurait dû être enregistré et qui a fait courir du coup un risque au consommateur américain, disons, à l'investisseur américain plutôt, c'est plus juste, en listant ses jetons. Et parmi ces jetons, donc il y en a bien évidemment BNB, BUSD, Sol, ADA, Matic, Phil, Filecoin, Atom, Sand, Mana, Algo, et pas mal de cryptos, où en gros, tout ce qui est reproché à ces cryptos, c'est ce qui se passe toujours en fait, c'est la non-distinction entre l'asset, la crypto, et la fondation, en disant, ben voilà, tu as une... En fait, c'est une pseudo-action d'une boîte qui est là pour faire pump le cours et qui gère tout de A à Z du token. Et là, sur Solana, il parle de Solana Labs en disant tatati tatata. Voilà, alors il décrit Solana. Oui, alors Solana, c'est une blockchain rapide qui fait 50 000 TPS. Et il disait à un moment, j'ai vu, attendez, tatatac. Voilà, bon. Ils racontent leur histoire, que Sol il a levé 20 millions, puis après ils ont levé 300 millions, tatata, et que Binance a accepté de trader le Sol. Bon. En soi, là on en est là. Donc le marché qui réagit directement et tout perd 5, 6, 7%, bien sûr Solana. Solana comme toujours, qui lui se fait détruire. Alors que tout se passait bien sur Solana, on était content. Il était bien monté, il avait surperformé un peu tout. Il se retrouve à sous-performer un peu tout. Le reste, c'est pareil. En gros, tout est dans le rouge à entre 10-15%, certains plus. Bon. Et Binance qui répond en disant, bah voilà, vous faites des annonces et vous nous attaquez alors que. C'est pas vrai. Bon, ce que vous dites est faux. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. Premièrement, c'est que si on regarde l'historique des autres poursuites qu'il y a eu, par exemple comme Kraken, Kraken a été attaqué par la SEC également, parce que tout ça, globalement, moi je suis pas surpris si on se réfère à l'historique. En réalité, ça fait depuis, je pense, bien 3-4 mois que tu sens qu'il va se passer quelque chose autour de Binance, qu'il y a des news en ce sens. Je crois qu'il y avait Reuters qui avait sorti les papiers financiers de comment Binance US fonctionnait, etc. etc. Tout fuitait petit à petit. Tu savais qu'il allait avoir quelque chose. Donc que le marché réagisse comme ça, bon, c'est les cryptos, c'est la volatilité classique. Ce qui est intéressant par contre, c'est ça ouvre la porte en fait juridiquement à ce qu'il y ait un cadre qui soit fait aux États-Unis sur les cryptos. Parce que le vrai problème qu'il y a eu, c'est que par exemple Kraken, qui a été attaqué par la SEC, eux ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas eu le courage de payer un procès qui coûte très cher aux États-Unis. Ils ont payé l'amende que la SEC leur demandait et c'est tout. Ils ont payé l'amende, ils ont arrêté de faire ce qu'ils leur reprochaient, donc c'était le stacking de TH. Et voilà. Mais du coup, ça fait pas avancer le schmilblick. Parce que la SEC, c'est pas un régulateur. La SEC, c'est une administration qui peut dire ce qu'elle veut. C'est pas des lois qui font la SEC. La SEC, ils font des choses qui peuvent être mises en cause. C'est le petit juriste qui vous parle, ils peuvent faire des. C'est pas parce que la SEC dit quelque chose qu'ils ont raison. Eux, c'est des bureaucrates qui disent ce qu'ils veulent, qui attaquent ce qu'ils veulent. Et par contre, là, on a Binance qui a les épaules ultra solides, normalement, mais c'est une certitude, pour pouvoir les attaquer en justice, faire un long procès devant les tribunaux américains. Et enfin, avoir réellement un cadre américain défini qui définisse, ben voilà, ça c'est un token qui doit aller un securities, ça en est pas. Si tu fais ça, donc tu vois, il parle par exemple, il est là le truc, il
parles, oui, alors tu as une fondation qui a mis des développeurs. Ah, merci pour le subscribe. C'est cool, Easy Money. Deuxième mois d'abonnement, merci. Si tu as des développeurs qui maintiennent la blockchain, Solana Labs et tout, là c'est ce qu'ils reprochent à Solana à un endroit. Bon, ben voilà, ils te disent, bon voilà, si tu as tant de développeurs qui font ça sur ta chaîne, bon ben ça fait que tu es possiblement entre dans le joug des securities, etc. etc. Pareil pour Cosmos, où ils nous. Où ils vendent plus ou moins, et en gros, ce qu'ils reprochent, c'est la non-décentralisation du truc. En très simple, c'est ce qu'ils reprochent, c'est que tous ces jetons sont centralisés par une fondation qui gère à peu près tout. Matic, Filecoin, bon, là c'est super intéressant à lire. Hein. Et voilà, et justement, ça c'est la question où on va y venir. C'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une ETH? Moi je pense que, en tant que juriste qui vous parle, attendez, je joue la fenêtre parce que j'ai un peu chaud. En tant que juriste qui vous parle, je pense qu'en fait, ils n'ont pas mis ETH, c'est juste une stratégie pour dire bah, si tu mets tout d'un coup, tu laisses pas de cartouche. Et en gros, là, ils mettent des petits coins. Puisque au pire, c'est eux qui ont une plus grande chance de passer pour des securities. Et dans le pire des cas, et s'ils ont raison, bah, t'as de grandes chances qu'après ETH, ça passe dedans. Alors que si tu mets tout dedans, alors qu'objectivement ETH, c'est celui qui s'en rapproche le moins, plus décentralisé, etc. Mais en soi, tu lises ce qu'ils disent à Tom, c'est pareil, quoi. Tu vois, ils disent, ouais, voilà, vous avez levé de l'argent, vous avez fait une ICO. Y a une ICO, tu as une fondation, l'ICF, bon, bah, tu as l'ETH Fondation, tu as l'Interchain, vous avez levé 17 millions, vous faites votre consensus Tendermint, t'as rien qui diffère réellement de ce qui qualifie de security sur Atom ou un autre token, qu'est-ce qu'il pourrait dire sur ETH. Donc je pense que c'est vraiment plus. Oui, c'est ça, c'est vraiment. On envoie ça pour voir ce qu'un juge est capable de dire. Et selon ce que dit le juge, bah, on ira après sur ETH, les calmer également et tout rentrer dans le joug SEC. Plutôt que essayer de tout faire d'un coup sur le truc Binance. Et du coup, là, faire que ça passe pas parce que pour X ou Y raison. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y aura des analystes qui auront lu tous les 90 pages, les 136 pages du rapport et toute la doctrine qui sera faite sur cette affaire. Parce que là, c'est une affaire qui va durer des années et des années. Et qui en fait. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que tu vas avoir un cadre. À la suite de ça, tu vas avoir un procès. Et tu vas avoir un juge, peut-être la Cour suprême dans X, Y années, qui va sceller un pseudo-cadre des cryptos aux US, qui aujourd'hui n'existe pas. Où tout est flou et où on voit, voilà, tu vois, ben, Neutron ou X ou Y, ou tout ce qui ban IP. Les Américains, les ventes de tokens sont interdites aux Américains et en fait tout est interdit aux Américains puisque bah, tout le monde a beaucoup trop peur de la régulation américaine qui peut te ruiner ton truc et envoyer tout le monde en prison de façon extraterritoriale puisque les États-Unis c'est le pire droit et à partir du moment où tu touches au dollar de le près ou de loin tu es sous le coup de la juridiction américaine. Vous savez que même aujourd'hui en France, tu ouvres un compte bancaire français, tu dois remplir un formulaire FACTA pour certifier que t'es pas américain et tu dois pas t'es pas sous la sous couverte pour X ou Y raison de la loi américaine. Donc, moi, je pense que ça peut donner
ce que je pense. Ça peut donner un cadre à la suite de ce procès. Il va découler un cadre. En attendant les activités de Binance, bah, tout va continuer, j'ai envie de dire, tout pareil. Je ne sais pas s'ils ont l'autre, sont direct obligés de fermer. Je ne pense pas. C'est vrai qu'ils sont allés fort sur Binance, qu'ils veulent bien niquer Binance. Pour les Américains, il leur reste pas grand-chose à faire avec les cryptos, alors que les Américains, ils ont énormément de cryptos. Hein. Et ils vont aussi fort sur les coins américains que sur d'autres coins. Parce que Solana c'est américain, pas mal de coins sont américains. Et ensuite j'ai perdu ce que je voulais dire. Bien joué Hugo. Oui, si, ce que je voulais dire c'était que tout se recentre par contre. Une chose qui où on peut critiquer l'Europe, la France, X ou Y, où c'est vrai qu'il y a un peu des énormités qui se passent sur MiCA et qu'on peut voir sur MiCA, sur les règlements MiCA européens. Mais une chose est sûre, c'est que MiCA, qui est le règlement européen sur les cryptos, ben, il pose un cadre, mine de rien, pour tous les projets crypto qui veulent aller en Europe. Et ça les évite d'avoir ce genre de situation où en gros tu peux travailler en Europe maintenant, plus ou moins tu vas pouvoir travailler en tant que boîte crypto et savoir plus ou moins ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Parce qu'en vrai tu reproches à Binance de lister ses tokens, bon, c'est pas le plus gros reproche que tu peux leur faire, tu vois, c'est pas quelque chose d'incroyable, tu vois, c'est assez normal, tu vois. Je pense que si dès le départ tu leur aurais dit, ben voilà, les jetons qui ont été levés par des ICO, par ça, t'as pas le droit de le faire, ben, il aurait pas fait, tu vois. Alors que tu as des choses que peut-être fait Binance qui sont beaucoup plus limites sur le stacking, les trucs de stacking, les méthodes, les launchpads, les X ou Y promotion d'influenceurs, de je ne sais quoi, les play to earn, où là tu pourrais dire bon allez ça tu peux aller gratter pour voir s'il n'y a pas quelque chose de répréhensible. J'ai vu il y a des montages financiers qui tournent aussi sur Binance, ça je n'en ai aucune idée, et il y a peut-être des malversations à la FTX chez Binance qui sont produits il y a au tout début de Binance sans doute. Maintenant j'ai du mal à le croire, mais par contre en Europe voilà tu vas avoir un gros règlement ou qui te dira, ben voilà, il te dira un token, tu dois faire ça, le service juridique, il doit faire ça. Et en France, ben, je crois qu'il y a maintenant pas mal d'exchanges qui vont en France. Je crois que j'ai vu, il y a OKEx, OKEx, qui arrive en France. Tu as Binance, tu as Crypto.com, tu as à peu près tous les gros, Bitget, je crois également. Tu as tous les gros exchanges qui sont en train d'arriver à Paris et en Europe. Plus, je crois que j'avais vu tous les VC qui commencent à se déplacer aussi, de migrer des US vers l'Europe. Parce que aux US, c'est trop risqué en fait. C'est trop risqué. C'est intéressant. 12%. Oui, parce qu'il y a une histoire sur les tokens de Solana qui auraient, où ils auraient fait, il y aurait eu des sols qui existaient en plus. Il y a une histoire assez louche sur Solana. C'est vrai qu'il y a cette histoire où il y aurait des Solana qui auraient été créés en plus au tout début, où il n'y avait presque pas d'explorer sur la blockchain. Et où ils ont créé des Solana qui n'étaient pas enregistrés au tout début et où on ne sait pas trop où ils sont passés. Bon, voilà, sur Binance, je sais pas. En vrai, c'est un peu, c'est voilà, c'est de l'actualité. C'est vrai. Et
C'est vrai que les US se tirent. Je comprends pas trop, moi, la position des US sur les cryptos. Parce que paradoxalement, les cryptos, en fait, ils rendent une utilité au dollar. Ça, c'est quelque chose que qui, je crois, qui est partagé par des mecs qui sont un peu dans d'autres pays, plutôt en Asie. C'est que les cryptos, paradoxalement, les US ne les détestent, mais en fait, les cryptos rendent et circulent. Et l'USDC et l'USDT rendent les Américains encore plus puissants et touchent encore plus de personnes et assoient l'hégémonie du dollar encore plus que si que s'il n'y avait pas les cryptos en fait. Puisque des personnes, vous et moi, on se retrouve à avoir du dollar. Alors que sans les cryptos, je pense qu'on n'en aurait pas. On n'aurait pas un compte en dollars. Sur notre livret A, on n'aurait pas un autre compte de dollars X ou Y, on n'aurait jamais eu du dollar. Alors que là, on se retrouve de facto. Alors, même si moi, je suis un des mecs qui a un peu des stables en euros, bah, là, on se retrouve tous avec du dollar, mais c'est nous, Français, tous les Américains, mais aussi les étrangers, et tu mets du dollar partout. Et en mettant du dollar partout avec Circle, c'est Circle, c'est l'ambassadeur, et Tether, c'est les ambassadeurs des États-Unis à l'extérieur. Alors, Tether, c'est un peu à part parce qu'eux, ils sont vraiment pas régulés. À la limite, les États-Unis pourraient les voir comme voilà, le vilain petit canard où ouais, vous jouez avec le dollar alors que vous faites peut-être des bêtises dans vos îles Caïmans ou aux Bahamas, je sais plus où ils sont. Mais Circle, ils sont full régulés, ils achètent. Bus, ils achètent des bons du trésor américain. Circle et Tether, c'est ils achètent du bon du trésor, ils achètent de la dette américaine. Donc en plus de ça, nous, simples mortels, on a de la dette américaine. On cotise pour la dette américaine. Donc c'est un petit marché. Ils auraient tout intérêt à dire, bah voilà, l'Indien aura des dollars, l'Africain aura des dollars, l'Européen a des dollars. Vous aurez tous du dollar et vous pour acheter vos petites cryptos. Et je pense que à terme, il y aura le stablecoin estampillé réserve fédérale qui arrivera. Et qu'entre-temps, ils essayent de dégager les vilains petits canards, je pense. Hein. C'est qu'ils sont plus libres des États-Unis comme Binance, qui sont vraiment hors US. Ouais, voilà. Après, nous, en soi. Maintenant, ce qui va se passer sur le marché, là, je pense qu'on a crash, mais d'ici demain, ça va revenir tranquillement. Enfin, pour moi, c'est une non-annonce, quoi. C'est l'annonce qui fait péter le marché, mais c'est pas pour autant que c'est fini. On est à la rue et ça va faire que plonger pendant des mois. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, bon, voilà. Là, pour Binance, c'est sûr que. Si vous avez suivi, en réalité, il y a déjà les gros market makers. J'ai vu à Jump Crypto. C'est quoi l'autre? Si vous connaissez les boîtes de trading, c'est Jump et Jane Street. Voilà, putain. Et Jane Street, qui sont les plus gros market makers, qui, du coup, qui en fait, qui font des trades pour mettre de la liquidité sur les exchanges qui sont partis des US, donc je crois qu'il y avait ces tweets, tu vois, les order book sur Binance US et les autres exchanges US qui étaient vides parce qu'il n'y avait plus du tout de volume en fait dessus, qui sont du coup sont partis en Europe faire leurs activités. Voilà, je pense que c'est vraiment un coup dur pour les Américains en soi. Mais que la crypto, ça va avancer avec ou sans eux. Je l'espère. Qu'on n'est pas assez. Pour l'instant, on est trop petit pour être vraiment impacté par les US. Même si forcément tous les capitaux des VC ils viennent des US. Hein, c'est indéniable. Et si tout l'investisseur américain ne peut pas mettre d'argent dans la crypto, tu reviens quand même bien en arrière. Hein.
Tu peux pas avoir des ATH si tu n'as pas les capitaux US qui vont dans les cryptos. Et si tout est bloqué niveau USA, c'est pas avec le PIB de nous français qu'on va aller à l'ATH, hein. Même si tu ajoutes les Australiens, je sais pas quoi, tu arriveras nulle part, hein. Donc sur ce côté, et après tu vois que tout est bloqué pour les US aussi. Ça nous amène à Neutron ou quoi, je sais pas si vous avez vu. Même tous maintenant, sont bloqués des airdrops bannis PUS. Le trading sur Astroport de Neutron, il est bloqué US, tout est bloqué US à droite à gauche. Donc voilà, c'était la petite aparté sur Binance. Même suit, mais oui, même suit, tous sont bloqués en fait, hein. Après, c'est que des blocages de front-end qui riment pas vraiment à grand-chose pour se dédouaner rapidement. Un peu ok, Jane Forth, oui. Merci. Merci, TradingView. Salut, Chizu. Du coup, voilà, est-ce que c'est Z, est-ce que je vais vendre mon t-shirt Binance ou pas? Je ne sais pas pour un sol bientôt. Voilà sur Binance. Je sais pas si vous avez d'autres questions autour de Binance. Bizarrement, le BNB il corrige pas plus que les autres. Alors que la logique voudrait que le BNB se fasse détruire, mais pas plus que ça. Le Ripple qui est toujours là, c'est incompréhensible. Il est là. Et voilà. Hein. Voilà sur Binance. S'il y en a qui veulent lire le. Non, en vrai, un seul t-shirt Binance, c'est un des t-shirts de merch qui le de meilleure qualité. Tu sens que c'est les plus riches du crypto game parce que leurs t-shirts, c'est franchement des t-shirts. Même chez le marchand en magasin, c'est des t-shirts de qualité. Hein. Ils sont vraiment épais. Des broderies, même derrière, c'est brodé et tout. Il y a des trucs. T-shirt Binance, ils ont un bon couturier. Hein. Ça vaut plus de 20 euros. Allez, du coup, on va reparler. On va passer à autre chose. Peut-être on fait le premier giveaway. On fait peut-être le premier giveaway, non? Premier giveaway d'optimisme. On va te donner nos 25 premiers optimismes. Donc, le tweet, je vous le montre. Il est là, là, vous êtes 25, il n'y a que 18, 15 commentaires. Donc, les gars, il y en a 10 qui peuvent encore sur le live, qui peuvent commenter, c'est de gagner 25 optimismes. D'ailleurs, je crois que j'ai pas reçu. Un des gagnants du concours YouTube, je crois qu'il y en a un des gagnants de YouTube que j'ai pas reçu l'adresse. Donc je sais pas comment on fera en France. Sinon, ça ira dans la trésorerie de la DAO LFDM. In the pocket of Usman. C'est quoi le site? Command Picker Twitter. Ah non, c'est pas celui-là, je l'aime pas celui-là. C'est Twitter Picker. Ah oui, ils sont vraiment. Non, mais Binance sont vraiment trop riches. Hein. Ils sont vraiment trop riches. Même les suites et tout ce qu'on a eu, tu sens que le niveau marketing, c'est pas. Ils ont pas allé sur. Comme nous, ils sont pas allés sur AliExpress. Ils sont pas allés faire leur petit merch sur AliExpress avec des petits t-shirts à pas cher. Ils ont mis le paquet et ils ont presque fait une marque. Tweet count. Allez, on va baisser. Un mois. Tac, tac, tac. On fait ça rapidement. Et après, la question, c'est. Ah oui, pardon, vous avez raison. T'as raison, je vais
partager. S'il y a quelqu'un qui veut repartager, je vais vous repartager avant de faire le giveaway. Parce que là, je fais ça rapidement. Tac, tac, tac. Et je vous repartage ça tout de suite. S'il y en a un qui est plus rapide que moi, bah voilà, la doit tarder, t'es le champion du monde. T'es plus rapide. Et tu as mis le bon tweet, oui, fais voir. Oui, non, non, oui. Yes, tu as mis le bon tweet, c'est bon. Je vous laisse encore un petit peu. Après, j'ai vu, parlant d'exchange, j'ai vu qu'il y avait aussi des. Je sais pas si vous êtes plus au courant que moi, peut-être, parce que moi, ça me concerne. Enfin, c'est pas que ça me concerne pas, ça nous concerne tous. C'est sur FTX, j'avais vu des news passer petit à petit, comme quoi peut-être ils essaieraient de remettre FTX à flot et rouvrir le trading d'ici la fin de l'année sur FTX. Ça me paraît ambitieux, surtout que je crois que sur l'article qu'ils avaient mis, ils listaient dans les actifs d'FTX, t'avais les trois quarts, c'était du Sol et du token Maps. Même après réévaluation des actifs, ils mettaient toujours le token Maps, qui est un shitcoin qui n'a aucune liquidité. Hein. Maps, c'est bien Maps. Hein. Ouais, Map. Maps. Ça. C'est ça. Qui faisait les trois quarts des actifs d'FTX. Bon. D'ailleurs, est-ce que c'est listé quelque part? Ascendex et Gate. Gate.io. Ah oui, ça aussi, on va en parler de Gate. Bah moi, racheter la baisse, moi je pense que là, t'es pas mal hein, pour acheter. Hein. Quand ça perd 10%, quand ça perd 10%, souvent t'es mieux que demain. Après, moi je suis toujours dans ma cible de non-trader. Mais c'est vrai que là, le Sol. Bon, le Sol, en soi, il est à 20$, il est pas non plus si bas que ça. Hein. L'Atom, il s'est bien pris une bonne claque, il est redescendu sous les 10$. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas sous les 10$. De l'océan. Il se passe des choses sur l'océan. Axelar, Atom, Océan, je les vois pas développer, mais peut-être. Hein. Je connais pas trop. Et ensuite, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est bizarre. Ah non, l'Optimus, il a quand même pris moins de 10. Optimus, bon. J'avais tout acheté au plus bas. Shizu, il est trop fort. Shizu, c'est lui qui a fait le bottom. Shizu Capital, il a fait le bottom sur la crypto, il a fait le. Surtout. Bah oui, c'est un peu pareil, c'est quand tu as acheté bas, après tu. Tu hésites à en remettre. Après, c'est vrai que moi, des fois, je fais des shorts et des. Je garde toujours un peu de liquidité, mais pour trader un petit peu. Mais là, c'est vrai qu'à 25K, tu te dis, bon, c'est. Après, le TH, il a pas bougé, par contre. Hein. Il a très peu bougé. D'ailleurs, DCA. Tiens, je vais en parler, ça, du DCA aussi. Je vais vous parler d'un truc de DCA que j'ai découvert cette semaine. Enfin, j'ai découvert que c'est lancé. Bon, je fais le giveaway, après on en parle. Tac, tac, tac. Zou. Je parle d'un outil de DCA que j'ai vu à une chaîne sur Osmosis. 21 entrants qui donc gagnent. Suspense. David09. Ah, bah ça me fait plaisir parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises. Putain, mais je l'ai même pas mis dans le live. Je l'ai oublié, on va en parler ça aussi. C'est d'Atomic Wallet, parce que si je dis pas de bêtises, David, je crois que je t'ai vu sur le Discord et je reconnais ta pépé, tu m'avais dit que tu avais perdu des fonds sur Atomic. Donc, bon, c'est pas nos 25 hop qui vont te remettre, mais c'est toujours mieux que rien.
C'est toi, capitaine? Capitaine Haddock? Ah oui, c'est toi. Bon, bah, bien joué. Bien joué, tu m'envoies un DM à moi ou à Jules avec ton adresse. Disant que tu as été le gagnant de ce soir. Et je t'envoie ça. Oui, on va reparler de ça. J'avais passé de suite à Neutron, mais on va parler d'Atomic. Je l'avais pas mis en haut là dans mes barres. Mais on va parler d'Atomic Wallet. Que s'est-il passé sur Atomic Wallet? Attendez. Je sais pas s'il y a un post-mortem. S'il y a un post-mortem encore d'Atomic. Atomic Wallet qui est une wallet. Je sais que j'en avais parlé à l'époque, qui est une wallet qui est assez ancienne, hein, qui est très ancienne. Qui était très ancienne et qui était assez intéressante à l'époque parce qu'elle permettait, si je me souviens bien, c'était une wallet, application wallet bureau qui permettait d'avoir multi-crypto et de stacker directement dans le wallet. Donc c'était vachement intéressant parce que c'était assez simple, hein, t'allais dessus, tu avais tous les coins Cosmos, tu avais Solana, je me souviens, t'avais Cardano, t'avais à peu près tout ce qui était en proof of stake, tu l'avais dessus. Et c'était assez simple d'utilisation. Ah, sur Atomic, t'avais qu'une dizaine de dollars. Ah non, moi j'ai confondu parce que je crois que j'avais quelqu'un sur le Discord qui avait 20 000 dollars qui avait perdu. Je croyais que c'était toi. Bon. Bon, bah, ça n'empêche pas que c'est bien, mais. Je crois que tu avais perdu 20 000 dollars, c'est que 10 dollars. Bon, là, t'es surrefait. Non, parce que j'avais vu quelqu'un sur le Discord qui avait perdu 20 000 dollars. Et du coup, ce qui se passe sur Atomic Wallet, c'est que. Bah, attendez, je crois que. Zach XBT, je crois qu'il a fait un petit. Alors, Zach XBT, si vous connaissez pas, sur Twitter, 400K followers, c'est vraiment. C'est la personne qui fait des. Voilà, des petits trucs comme ça qui suit toutes les wallets. Et qui arrive vachement à remonter les hacks. Et si je dis pas de bêtises, tac tac tac, update. Alors il y a quelqu'un qui a perdu 10 millions de dollars. Qui s'est fait des TX. Il y en a un qui a perdu 2 millions sur une TX, 3 millions. C'est sur ETH apparemment, quand même. Il perd tout sur ETH. Et maintenant, voilà, il y a plus de 35 millions. On voit bien son graphe, il nous fait un total. Il y a plus de 35 millions qui ont été perdus. Le plus gros perdant, c'est sur Tron. Donc là, on voit bien que le wallet, il a une faille de partout, puisque c'est multi-blockchain qui sont niqués. Autant que ce soit sur ETH que sur Tron. Ça, c'est des choses qui nous rappellent. Que les wallets, même si tu as ta seed, selon comment est générée ta seed, tu n'es pas à l'abri. Ça fait penser. Alors, bien sûr, peut-être que certains s'en rappellent. Moi, je m'en rappelle très bien. C'était le wallet sur Solana. C'était en début d'année. C'était juste après FTX. Tu avais encore eu un wallet qui avait eu un problème sur Solana. Qui était le wallet. Putain, c'est quoi le nom? Putain, j'arrive plus. Bon, alors là, ça m'énerve d'oublier des choses. Bon, je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait un Solflare. Bon, je sais pas. Attendez, Solana Wallet Drain Slope. Voilà, Slope Wallet. Il y a 5 jours, ils l'ont remis. C'était en août 2022, oui, donc c'était à presque un an. Oui, il y avait eu un exploit du wallet sur Zelcore. Fonctionne sur le même principe. Non, Zelcore, c'est le wallet de Flux. Zelcore, j'en ai aucune idée. Flux, je ne suis absolument pas l'expert Flux, je ne connais pas du tout sur Flux. Donc je vais pas dire de bêtises. Mais en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous générez la seed sur les wallets d'extension, et sur tous les wallets en fait, quand vous générez, il peut y avoir un moment où votre seed, elle va sur les serveurs du wallet. Là, je vous dis l'exploit de Slope.
parce que c'est le seul que je sais. Atomique, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, donc on va pas, je vais pas commencer à inventer des choses, puisque pour l'instant on ne le sait pas. Mais ce qui est possible, c'est que quand tu génères ta seed, ben, fuite. Ça bouge. Bon, si t'as que des flux et des RTM, t'as pas perdu grand-chose. Hein. Non. Surtout les RTM, t'as pas perdu. Non. Mais ce qui se passe, c'est que la seed, ça peut aller. La seed phrase, elle peut aller sur les serveurs du wallet. Et pour Slow, par exemple, la seed, elle était exportée sur les wallets, sur les serveurs du wallet. Et je crois que c'était crypté, mais plus ou moins crypté avec les pieds, ça a été crypté que c'était décrypté. Donc ben là, tous ceux qui avaient mis leur, c'était même pas ceux qui avaient mis leur seed, c'était ceux qui avaient généré la seed. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, c'est comment tu génères la seed. Maintenant, ça se fait plus du tout. Donc, si vous êtes nouveau dans la crypto, vous n'avez pas connu ça, mais je sais que je on avait montré en live, c'est qu'à la base tu devais faire de l'entropie sur ton wallet, donc tu mets des trucs complètement aléatoires et chaotiques pour faire un nombre X qui ne peut pas être décrypté et te faire une seed. Et donc c'est ce qui s'est possiblement passé sur Atomic, c'est que soit ils stockaient la seed quelque part sur leur serveur à un moment donné. Soit c'est l'entropie du wallet qui s'est fait péter. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel type de wallet ça touche. Ce qui est sûr, bah c'est sortez tout. Hein. Si vous avez mis une seed dans le wallet atomique, mis quoi que ce générer une seed, même si vous l'avez enlevé, la seed mise sur Kepler ou quoi, et que vous avez encore la chance de ne pas encore être touché. Parce que je crois qu'il y a beaucoup plus d'argent que ça hein, qui sont sur Atomic. Je crois que si on va sur Minscan, parce qu'ils ont un validateur, je sais qu'ils ont un validateur. Sur Cosmos, je crois qu'il y a 500 000 atomes dessus. Ah oui, du coup, c'est sûr, ils sont responsables. Mais responsable quand tu as perdu 35 millions sur une boîte qui a sans doute pas 35 millions en trésorerie, va récupérer l'argent. Je sais pas s'ils ont un token atomique. Je m'en souviens du wallet du validateur atomique. Vous savez pourquoi je m'en souviens? C'est parce que justement il s'était fait jailed. Il est où? Je sais qu'il avait versé 500 millions. Conf atomique. Atomic Node, il a 1 million d'atomes. Il a presque 1 million d'atomes, donc ça commence à faire. Hein. Kilo wallet d'Atomic Wallet. Donc là c'est pour Cosmos. Ils ont un token? Ah, ils ont un token. Bah, ils vont peut-être rembourser un token. Alors. Mais alors, c'est pas un exchange. Hein. Ah oui, ils ont un token. Atomic Wallet Coin. Atomic Wallet Coin, il doit être avoir des belles performances, non? Il a pas bougé? Ah si, ouais, si, il n'a pas bougé. Relatif, c'est quand même divisé par 2. 3. C'est listé où, ça? Que sur Uniswap. Ils ont pas d'exchange. Ouais, bah à la limite ils vont créer un token. De toute façon, c'est le. La réalité, c'est que pour dédommager les pertes, le token c'est la meilleure solution, hein, je pense. Autant même pour FTX, je pense que c'était la meilleure solution. C'est pas énorme non plus. Je pense que c'est pas énorme, mais je pense bah 35 millions c'est pas énorme, mais pour un wallet c'est pour Atomic c'est pas mal. Mais oui, c'est sûr que 35 millions dans les plus gros hacks c'est pas énorme. Même après faut voir qu'on est au pic bear market. Tu vois, ça c'est quand même ça c'est un truc c'est que quand Solana il y a un wallet qui se fait hacker, c'était la blockchain qui se faisait hacker, je me souviens. Alors qu'ils avaient perdu 1,5 million de dollars. Là, il y a 35 millions, c'est pas, c'est presque à l'as. Ça, c'est toujours mon truc de tout est fait pour. Et on se fait racheter par Binance.
Bah, je vois pas trop le. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Binance ils vont aller là-dedans. Après, je sais. Après, quoi dire sur Atomic, sortez tout. Autre conseil, bah, c'est si vous avez pas d'hardware wallet, même si vous avez un hardware wallet, bah, mettez pas tous vos œufs dans le. Ah non, ça serait. Ah d'accord, eux ils disent que en fait c'était serait une mise à jour qui aurait été bah, tu vois, ça aussi c'est possible. Une mise à jour qui enverrait la seed sur au hacker une fois que tu fais la mise à jour. Ça c'est plausible. C'est tout à fait plausible. Ah oui, ça a été mis aujourd'hui. Bon, je l'avais raté. Bah oui, le x2 du token, c'est pas énorme pour un truc qui vient de se faire hacker avec un exploit. Donc voilà quoi dire. Bah, c'est de mettre ces tokens. Pardon. Jamais mettre ses œufs dans le même panier. Hein, de. Quoi qu'il en soit, si tu. Bah, toi, soit t'as un ledger, soit t'as une autre wallet, bah, tu mets dans les deux. Si tu mets MetaMask, tu mets dans Frame, tu mets dans toutes les wallets. En vrai, tu mets que dans MetaMask. Tu te dis quand même, pour les tokens qui sont possibles, bon, si on hack MetaMask, tout le monde est très mal quand même. Sinon, niveau wallet. Ah si, j'ai pris ça. On a reçu des wallets. On a reçu un nouveau hardware wallet. Je les montre. Moi, je montre les boîtes. J'ai pas setup. C'est OneKey. Ils nous ont envoyé ça. On n'est pas payé. On va voir. On va faire un test parce que je pense j'ai envie de faire une vidéo avec voir un peu les alternatives qu'il y a à Ledger. Si vous avez envie de pas tous être sur Ledger, si c'est cohérent d'aller ailleurs. Sinon ils ont ce truc là en titane pour mettre sa seed. Bah, est-ce qu'ils ont sa seed sur Ledger? C'est la bonne question. Eux en principe justement, ce qui est pas mal, c'est que comme beaucoup ils sont en open source. C'est eux là. Si vous voulez acheter, attendez le lien référal. Attendez le lien référal FDM. C'est qu'ils sont open source comme Trésor. Trésor qui se fait qui est possiblement hacké, qui se fait hacker en fait, si qui se fait hacker, non, qui perd sa sécurité si tu as une attaque physique dessus. Donc si un cryptographe t'attaque et te vole ta Trésor, il peut te la niquer. Eux en principe, bah, bonne question. Principe, eux, ils ont un Secure Element, elles sont presque aussi chères, la classique. C'est open source. En vrai, c'est pas mal. Hein. Là, je l'ai. Je vais la sortir rapidos. J'ai pas du tout setup. Je disais pas mal, mais je suis un menteur parce que je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout setup. J'ai rien fait du tout. J'ai juste touché la wallet. C'est comme ça. Ça se présente comme ça. C'est comme une petite carte. Et après, c'est fonctionnement pareil. C'est USB-C. Il y a un tout petit écran. Advienne que pourra, on essaiera ça, on fera une vidéo. S'il y en a un qui veut commander là ce soir, vous me dites, je vous dis mon lien. Après c'est pareil, ils sont sur MetaMask, ils prennent en charge Cosmos également. Ouais, bah dans la poche, et après il y a ça, ils nous ont envoyé ça, c'est des trucs en titane. Ça c'est pas mal, ça c'est un peu cher, je trouve. C'est ça, c'est un peu cher. 60$, ça fait quoi? Ça fait 40, 50€. Il y en a deux, c'est pour garder sa seed, c'est le classique. C'est pas trop mal ça. Ça, en tout cas, il y a une grosse boîte. Et c'est un truc qui est backé par Coinbase. Eux, ils sont, se disant, ils vantent qu'ils sont backés par Coinbase. Donc ça a une certaine sécurité. Et c'est open source, contrairement à Ledger. Et en gros, comment ça marche? C'est que, bon, je passe très vite, hein.
C'est qu'il y a une application, j'ai pas setup, mais vous avez une application. Et vous pouvez du coup naviguer dessus. Vous pouvez même la télécharger gratuitement et avoir le wallet sans hardware wallet. Ou après avoir le hardware wallet. Et vous pouvez aller dans Explore du coup, et je crois que ça vous permet d'interagir un peu à droite à gauche. Parce que pour l'instant, ils sont pas dans Kepler ou des trucs comme ça, ou dans Solana. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème, c'est que Ledger, ils sont partout. Et eux, ils sont pas partout. Mais à voir, il y en a un tactile aussi. Ils nous ont envoyé un tactile aussi, on verra. Et j'essaierai aussi de faire le fameux hardware wallet avec le portable. Et après, on va faire une review du casque vert d'Apple. Est-ce qu'on doit être hype par le casque vert d'Apple? Est-ce que vous avez vu la news? Est-ce qu'on doit acheter un... J'ai pas vu combien ça a coûté, ça doit coûter bien cher aussi ça. Est-ce qu'on doit acheter le casque vert d'Apple? Bah, va tout, je vais te dire. Ouais, le petit, il est tout en plastique. Et le touch, par contre, qui est 3005. Ah ouais, 3005. Bah pas mal. 3005. Ouais, je suis sûr qu'il doit être très bien, mais... Bah moi non plus, j'ai pas tout vu, mais ce qui est sûr, c'est bah ils ont sorti un casque. Allez, on parle de ça rapide. Ils ont sorti un casque VR. Attendez, on va... Un fameux casque VR, et j'ai vu après des... Je sais pas s'ils ont sorti des trucs plus intéressants. Bon allez, on va parler de Neutron. Si, mais pour revenir va tout, c'est que OneKey, le touch qui est du coup bien plus cher, lui il est en plastique, il est en métal. Ça ressemble vraiment à un téléphone. Mais c'est assez petit ça d'ailleurs, si tu veux voir. On fera un truc, on croit qu'il est gros mais il est tout petit. C'est à peu près la même taille que le Stax. Je l'ai même pas ouvert là. Il est tout petit. Il est vraiment petit. Mais ça, et en fait c'est un Android qu'il y a dedans. C'est un OS Android. Ce que je comprends, c'est un Android un petit peu optimisé pour la crypto qui s'appelle SafeOS. Mais de ce que je comprends, c'est un Android. Et en gros, c'est un genre de téléphone, mais sans. Oui, c'est un petit peu comme un iPod Touch XY où t'as un petit bouton. Bon. À voir, à tester. Pour l'instant, première vue matérielle, c'est bien. Logiciel, voilà, c'est peut-être une alternative à Ledger possible. Avec Keystone, qui Keystone aussi est pas mal. Hein. Jeu à la Keystone aussi. Ouais, bah, si toi il te faut tout, toi il te faut surtout que tu retiennes l'acide dans ta tête, là, c'est pas possible, mais si tu fais un truc. Il faut la housse. Donc, Neutron, est-ce que vous, alors, sa question, est-ce que vous, le site de Astroport marche chez vous? Là, j'ai voulu le mettre pour le live, parce que j'avais pas eu le temps de voir avant. Bien sûr, ça marchait pas. Donc, je pense que faut que je redémarrerai après le live, parce que, à mon avis, il faut que je change les cookies, ou Dieu sait quoi, j'ai un souci sur le site d'Astroport. Ça met back-end offline. Bonne question de pourquoi du comment. Je sais pas si ça fonctionne. Notre public, qu'est-ce qu'ils me mettent? Est-ce que je peux me déconnecter? Comment je peux me déconnecter? Change de wallet. Est-ce que je peux me déconnecter? Non, pas de delete. Vous voyez toutes mes wallets. Je suis à chaque fois déconnecté. Disconnect. Est-ce que si je mets Leap peut-être? Est-ce que ça marche si je mets une autre wallet? Non, ça marche pas. Bon, je peux même pas vous montrer. Je sais pas si vous ça fonctionne Neutron. Parce que du coup, depuis cet après-midi, il y a le launchpad de Neutron qui fonctionne. Launch, on peut trail le token Neutron, donc je sais même pas combien il est. Je suis nul, je suis désolé.
Ouais, je sais que je suis pas le seul, il y en a plein que ça marche pas, que ça ne fonctionne pas. Ouais, je sais que vous ça marche, je pense que c'est juste, il faut que je délète les cookies, peut-être que je change le RPC. Oui, moi j'ai eu un souci, mais je vous avoue que moi là je suis en plein changement d'ordinateur. Donc, j'ai pas toutes mes wallets, tous mes trucs, je suis en plein bidouillage là depuis 2 jours. Mais j'ai eu un souci avec Kepler 2.0, enfin, pour bridger de FMOS sur satellite. Ça ne fonctionnait pas, mais je pense que c'est peut-être moi qui ai fait n'importe quoi. Faut que je réessaye, parce que je crois que j'ai un peu de TH sur FMOS qu'il faut que je. Zéro. C'est quoi ça les USDC? À 0,21? Le prix du. Bah finalement il n'est pas si cher que ça. Hein. Il est au prix. Au launch, on l'a eu à combien? Ah là par contre là on voit me. Lock drop. Bon alors moi j'ai pas. Là vous voyez. C'était à 0,19. Donc c'est pas mal quand même. 0,19, 0,21, ça fait quoi 100%? Tac tac tac, ça va faire du 10% peut-être? Non, attendez. Tic tic tic. Faire quelque chose comme ça. Hein. Je suis pas très fort. De tête. Ouais, moi, bon là, vous voyez combien j'ai mis. J'ai mis 500 atomes, si je dis pas de bêtises. Hein. J'ai déposé 500 atomes, moi. 468. Dans la poule pour acheter du neutron. D'ailleurs, neutron, j'en parle là comme ça. Mais je vais faire une plus belle annonce. Savi, bien sûr, on est sponsorisé Binance. Savi, monsieur, oui, monsieur, Savi, très bien. D'ailleurs, je veux dire encore, j'ai eu beaucoup de chance cette semaine. J'ai eu de la chance. Non, en vrai, c'est que je crois en neutrons. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, Savi, mais moi, je suis pauvre face à lui. Vendredi, 18h30, soyez tous là. On reçoit de nouveau Avril Spade, le grand Spade, Avril Dutheil, oh là là, Spade, qui est du coup le général manager de Neutron, qui est ce jeune homme très. Où il est? Qui était là, qui était à la con. Ah non. Bah, on le voit pas. Parce qu'il y avait la conférence de. Allez, on va parler aussi de la conférence de Gateway. Alors, il y a mes amis d'Enigma qui étaient à Prague. J'ai failli y aller, c'était ce week-end. Donc, ça a finissé aujourd'hui. Mais bon, ça faisait un petit peu loin. Qui est ce jeune homme-là, qu'on va recevoir encore vendredi en live. Qui est super sympa. Qui est en fait, qui est presque la figure publique en fait, de Neutron. Général manager, donc qui est le grand chef. On a la chance d'encore une fois le recevoir sur la chaîne, donc c'est super cool. Si vous avez des questions à poser sur Neutron, autres, bah gardez-les, envoyez-les-moi, on lui posera. Enfin, je lui poserai du coup, parce que je pense que je ferai tout seul. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr, juste, c'est toujours en vacances. Et qui est français, donc c'est une super chance de l'avoir. On va faire un petit peu de la pub à droite à gauche hein, cette semaine pour que tous les cosmonautes soient là, parce que en fait c'est super important pour Cosmos que Neutron fonctionne. Et on est et voilà 0,21, 0,18 pour le launch, c'est pas mal. Si vous avez déposé, alors est-ce que certains avaient compris? Parce que j'ai vu que beaucoup n'avaient pas compris. Est-ce que vous qui me suivez en live, je l'avais bien expliqué que quand on déposait dans le Liquid Exchange, on était lock 3 mois? Parce que j'ai vu plein de personnes qui l'avaient pas compris. Non, je les ai pas lock. Moi, j'ai rien lock du tout. J'aurais peut-être dû, mais je l'ai pas fait. Sur cette wallet, j'ai pas lock. J'aurais peut-être dû pour recevoir mon airdrop sur cette wallet où j'ai participé. Où j'avais 150 neutrons. J'aurais peut-être dû lock une partie pour pouvoir claim direct. Mais en soi, à 0,21, c'est pas très intéressant. Peut-être que dans la semaine, ça va pousser, on va dire.
J'ai pas vu si c'était combien il y avait poulet d'atomes. Donc du coup moi c'est ça, là on voit combien j'ai de neutrons. J'ai 13 000 et quelques neutrons. C'est combien ça? 13 000 fois 0,21. Tu as log, tu as reçu à peu près la moitié de ce que tu as investi. Tu es à log 1 an toi? Bah Astroport, bonne question, si c'est bien. Oui, c'est très legit, hein. C'était un des plus gros decks sur. C'est le deux. Je pense c'est le second plus gros dex maintenant sur. Attendez, on va voir. On va aller sur des filamas. Je suis sûr qu'ils sont sur des filamas Astroport. Puisque vu que ça marche pas chez moi sur Astroport. Oui, Astroport. Ah ouais. Ça fait mal quand même. Ça. Vous voyez bien, oui, vous voyez. Ça fait mal quand même. La TVL qui était à 2 milliards, les gars, c'était quand même une autre vie. Hein. C'est passé de 2 milliards à 16 millions. C'est quand même autre chose. Hein. On est devenu pauvre hein, quand même, les gars. Bon, on le savait qu'on était pauvre, mais. Bon, ça. Ça catégorise pas. La TVL, ça met Terra. Bien sûr, ça prend pas en compte. Est-ce que TFM, alors ça aussi, TFM, si vous connaissez pas TFM, je vais militer pour que vous le connaissiez. C'est super. TFM, c'est un truc de Terra. C'est une des teams de Terra. J'ai mis 400 et là en neutrons, j'en ai à peu près pour 200. Oui. T'as 200 $ de neutrons plus les 400 que tu as mis. Donc, ah oui, donc c'était super rentable de lock. Ouais, non, c'est pas peut-être. En gros, faut que ça divise. Si ça divise par 2, tu. Ouais, c'est un play. Mais après, il faut locker la liquidité toute 2 ans. En vrai, ça se fait. Hein, ça se joue. Ça se joue. Mais si t'en as. TFM, c'est bien pour deux choses. C'est un pour Bridge en IBC, c'est super. Franchement, c'est une super interface, c'est super simple. Il n'y a plus besoin d'utiliser le. Tu faisais parfois des transferts IBC sur Kepler en mode expert. Pas besoin. Et dans DEX, même vous avez ProSwap. Attends. Vous avez des super interfaces. Orderbook sur Osmosis, c'est trop cool, hein. Ça marche super bien. Je sais pas si on me voit bien, hein. Parce que bien sûr mon retour il fonctionne pas, mais c'est bien, c'est juste bien en fait. Hein. Atom USDC, vous voyez les bougies, vous voyez tout, vous pouvez trade et ça trade direct sur Osmosis en plus. Donc je me languis qu'ils intègrent Neutron. S'ils le veulent bien, je pense qu'ils le feront. C'est très bien. C'est très très bien TFM. Vraiment à utiliser. C'est bien. Donc du coup, moi Neutron, moi Astroport, là c'est en no fonctionnaire. Donc adios. On va le quitter, hein. Papa, 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 et voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? On va pas passer plus de temps sur Neutron vu que jeudi, vendredi soir, 18h30, vendredi soir, 18h30, on fait un live encore spécial Neutron, où là, peut-être, ça va être plus être le futur de Neutron, présentation si certains n'ont toujours pas compris, mais plutôt le futur. Donc là, il y a des propos. Ah oui, deuxième chose aussi à savoir, c'est que si vous avez mis en LP, vous allez 40% de lock. Je comprends rien. Je comprends pas leur système. Ça, je pense que ça va les desservir. C'est que c'est assez complexe. Et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Et ça, je pense que c'est une constante. C'est que les utilisateurs crypto que nous sommes, dès que ça dépasse 2 clics et qu'il y a un peu trop de texte,
on est tous perdus, on comprend rien. Et ça, je pense que ça, c'est un problème pour tous les projets crypto de d'avoir trop de choses. Alors, parce que pourtant, je suis la personne qui j'ai écrit au moins deux ou trois threads sur le Twitter d'Enigma sur Neutron, je me suis tapé tous les articles. Et il y a toujours des trucs où je trouve j'étais pas vraiment sûr. Hein. Et pourtant, on a fait une interview, on a fait plein de choses. Donc je pense qu'ils l'ont fait très complet. Et du coup, très complet égale, tu vois, genre là, c'est écrit un tout petit, blablabla. C'est trop dur. Trop dur. Mais c'est on comprend. Si vous n'êtes pas bête, vous comprenez. Bah, c'est pas, même pas si vous n'êtes pas bête. Si vous prenez le temps, vous comprenez. Mais il faut prendre le temps. Et en réalité, en crypto, beaucoup trop de gens prennent pas le temps et passent vite dessus. Et du coup, tu passes à côté d'infos. Et quand certains ont investi. Ah, bon. Du coup, voilà. Apparemment, ça marche bien. Puisqu'apparemment, il y a beaucoup de volume. 1 million, bon c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Ah non, mais c'est. Attends. Neutron, 1 million 10. 1 million 10 sur Neutron, c'est bien. Total 2 millions sur Astroport. Astroport qui a une volonté d'être multi-chain. Ça fait plaisir de voir des teams post-Terra qui continuent. Mais j'étais pas. Log les tokens quand tu loques les points. Bah ouais, moi aussi j'étais pas sûr de comment ça a fonctionné au début. Je me demandais si quand tu loquais, t'avais toutes les incentives d'un coup, t'avais pas d'un coup tous les incentives. Et après, je vous avoue, j'ai oublié les locks. J'ai pas pensé. Après, le temps était passé donc, comme j'en avais déjà bien acheté et plus bien en airdrop, bon, j'en rachèterai au marché. Et je crois qu'on va avoir des incentives, à mon avis, on va avoir des incentives à provide de l'ALP, même si on est lock. Donc c'est plutôt intéressant, je pense. Donc ça, c'est sur Neutron. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Pardon, sur Cosmos. Il y a ça aussi, il y a Calc Finance. Ça, j'ai oublié de vous le partager, je suis vraiment battu, désolé. Je pense qu'il va y avoir un airdrop de ça. Calc Finance, qui est une DApp qui est sur Osmosis et Kujira, qui a launch le 2.0 cette semaine. Et ils ont dit ça. Setup de stratégie dans les next 48 heures pour avoir le statut d'OG, donc c'est le 1er juin. On est le 5, c'est peut-être un peu chaud. Et Calc, c'est pour faire du DCA. C'est assez sympa. Du coup, moi j'ai essayé Rapidos pour faire deux stratégies, hein, pour voir comment ça marchait. Et ça marche bien. En fait, ça permet de faire du DCA sur une crypto. Donc en fait, vous dites je veux acheter. Je veux acheter X atomes avec de l'USDC. Je veux acheter 800 d'USDC. Je veux acheter de l'atome. Next. Papa, papa, vous mettez votre stratégie sur combien de jours. Combien vous voulez acheter. Et ça vous achète tout seul sur Osmosis. Donc c'est sympa. Vous avez des trucs algorithmiques aussi. En fait, c'est du TWAP. Hein. C'est ce qu'on appelle le TWAP. Ça achète petit à petit. Également, c'est sympa. C'est donc algorithme DCA, c'est du TWAP. Je crois qu'ils disent qu'il y a de l'AI. Bon, ils ont même dit de l'AI, bon, pour faire sympa. Et ça, bah, il mort. Bon, il y a des stratégies plus ou moins avancées. C'est sympa. C'est très sympa de voir ce genre de d'asset là. On voit mes deux petites DCA que j'ai mis. Actif, donc j'ai acheté de l'ST Atom et de l'Atom pour la modique somme de 30$ juste pour faire mes deux petites TX. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans la semaine si on doit rester sur Cosmos? Il y a eu, ben si, c'est ça, je voulais vous parler de Gateway. Gateway, il y a eu deux choses intéressantes à Gateway, de ce que je. J'ai pas regardé ce qui s'était passé aujourd'hui. Oh putain, il y a le gars de Whitewell qui s'est fait couper les cheveux en live. Donc ça, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Whitewell, c'est pas mal Whitewell. Whitewell. Observatoire, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est Rockaway. Rockaway qui est un VC qui est. Bah, du coup, ce qui est le VC de Check. Qui sera mort. Hein. Pour augmenter la décentralisation qui ont fait ce dashboard. Qui est assez sympa. Hein. Qui prend en fait. Qui prend en compte les validateurs là où ils sont, les serveurs s'ils sont chez eux, le pays, etc. Le réseau où tout est, ils font une moyenne et ils te disent ta chaîne quoi. Pour augmenter la décentralisation, c'est pas mal, c'est sympa. Bon, lui, c'était le top de et le scammer de Juno qui était là un peu partout. Non, de Stargaze, Jake. Lui, bon, lui, je sais pas trop quoi en penser. Ah, je suis plus connecté au chat, je vous vois plus. Ah, si, ça y est. Tac, tac, tac. Si, les deux choses qui sont passées qui étaient. Alors là, je regarde s'il n'y a pas des choses intéressantes de la journée. Mais je ne crois pas. Donc, on va vite passer. Les deux choses intéressantes, c'était Evmos. Stacking 2.0. Evmos qui continue de faire des nouveautés. Ah, il y a des jobs chez Evmos. Product designer, core engineer et full stack. Donc Fred Koons, Federico Koons, qui est le CEO de co-founder de Evmos, qui a présenté en gros une upgrade de stacking 2.0 qui permet l'auto-compound, qui est une nouvelle. Meilleur infra de stacking sur les chaînes Cosmos et qui permet notamment, je crois, d'avoir des rewards flexibles. Donc, j'ai pas vu le speech, mais de ce que je comprends, c'est que tout le monde n'aura pas forcément les mêmes rewards en fonction du validateur auquel il délègue et de la décentralisation qu'il fait. Donc, ça, c'est super intéressant. Plus l'auto-compounding et ce sera libre sur tout le monde. Et la seconde vraie avancée, c'est eux, c'est Polymer Labs, qui ont fait OpenIBC, qui eux essayent de connecter par IBC Cosmos, et qui ont fait ce protocole qui est open source, pour faire des standards d'IBC un peu partout. Donc ça c'est super, hein. Ça c'est vraiment top. De voir des équipes qui bossent pour mettre de l'IBC de partout. Tout ça open source, c'est vraiment très propre leur truc. Polymer d'ailleurs, si vous suivez pas Polymer, suivez-le. Suivez-les, ils ont. C'est pas très connu Polymer, il n'y a que 5K. Je pense que peut-être vous connaissiez pas avant que le. Mais Polymer, c'est ceux qui essayent de connecter Cosmos à l'IBC, à ETH. À Cosmos en IBC avec du zero knowledge IBC, du coup, c'est une équipe bien costaud à suivant. Bah, l'IBC, c'est un bridge, hein, ça reste Cosmic, ça reste un bridge, hein, c'est toujours un bridge, mais étant donné que c'est neutre. Et assez élégant dans son fonctionnement, et que pour l'instant il n'y a toujours pas eu de problème, même s'il y a des problèmes sur l'IBC X ou Y, sur les relayeurs, sur plein d'autres, c'est quand même dans un environnement multi-chaîne qu'est Cosmos, ça permet beaucoup de choses et c'est vraiment pas mal. Bon,
Je sais pas si je vous ai tous perdu. On va faire le nouveau giveaway. Dites-moi, est-ce que j'aurais pas quitté le Twitter? Bah si, bien sûr. Commande picker, Twitter picker. On va faire le second. Le second truc giveaway. Parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a eu hein, sur Gateway, la conférence Gateway. Il n'y a pas eu de grosses annonces. Il y a eu des panels intéressants. Ils sont tous partis faire leur appel. Je comprends pas ton message. Ah ouais, ouais, le jour où il y aura un hack sur l'IBC. Bah, hack sur l'IBC, c'est tout à fait possible hein, d'avoir un exploit de l'IBC. D'ailleurs, la semaine dernière, je crois qu'il y a eu une. Enfin, c'est pas je crois. Hein. Beaucoup je crois alors que je suis sûr c'est il y a eu une mise à jour qui a été patchée parce que comme vous savez je suis aussi le marketing d'un validateur donc je sais bien ce que font les validateurs c'est il y a eu une mise à jour des clients IBC qui a été faite parce qu'il y avait une faille sur et je vais rajouter bon, là ça va être uniquement moi vous devez me follow les gars sinon c'est mort. Gagnez pas. Donc le tweet vous l'avez encore pour gagner encore une fois 25 optimisme. D'ailleurs le dernier passage du live on va parler d'optimisme. Sinon Forge, ils sont tous sportifs en fait. Ouais. Forge c'est vraiment nul hein, Forge. Je sais pas ce que vous en pensez mais Forge. Je sais pas vu si c'était encore ça t'a arrangé les incentives. Et si ça avait bougé sur. Je sais même pas s'ils sont. Si je pense qu'ils sont sur des filaments. TVLDFMOS, les gars, il y a 2 millions. C'est nul. Vous vous rendez compte, il y a 2 millions sur FMOS. S'il y a Forge. Ouais voilà, la TVL, moins 30%. Moins 15%. Ça pue. Hein. Ah, la vente Coinlist de Néon, tu l'as vu là? Hein tu l'as vu la vente Coinlist de Néon? J'ai pas sorti mon sur Néon. Allez, on va parler de Néon. Bon, les derniers giveaways et on fait rapidement. Vente Coinlist de Néon et Archway. Ainsi qu'Optimist Bedrock, qui est la grosse mise à jour qui arrive demain avec les unlocks, comprendre un peu les unlocks de token. Parce que, comme on l'avait pressenti un peu la dernière fois, le prix de l'Optimist. Oh, il gagne à chaque fois ce Crypto Biggie, c'est incroyable. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Quoi, c'est. Bien joué, Tosh, c'est encore toi. Tosh, tu vas pouvoir nous inviter au resto avec toutes les optimistes qu'on t'a fait gagner. Bien joué à toi. Vas pouvoir nous sponsor. Ouais. Si tu veux, tu peux nous sponsor le live. J'accepte. J'accepte de sponsoriser. Suis pas cher. Moi, je suis pas cher. Jules, il est très cher, mais moi, je suis pas cher en sponsor. Du coup, optimisme. Bedrock. Demain, il y a, juste pour dire, demain, il y a la grosse mise à jour d'Optimism. Bedrock qui va faire baisser les frais. Ah ouais, après on parlera de MATLAB aussi. Et qui va faire baisser les frais drastiquement sur Optimism, qui va tout, en fait, plus ou moins tout 2022 pour Twitter d'Optimist, j'ai des tweets. Je suis fou, quoi. Pourquoi ils RT que des trucs de 2022, c'est con. J'ai le mauvais Twitter ou quoi? Non, je sais pas. Bon, allez, on va mettre ça. Je pense que cet article est pas mal. Du coup,
ce qu'il se passe. Demain, il y a Optimize Bedrock. Optimize Bedrock, c'est la plus grosse mise à jour d'Optimize. J'en avais déjà un peu parlé rapidement. C'est la plus grosse mise à jour d'Optimize depuis le début d'Optimize. Ça va. C'est censé, en tout cas, c'est un hard fork d'Optimize. Donc, tout va changer sur Optimize. Il change le smart contract du roll-up. Tout va changer. Tout va être plus rapide. Il va y avoir du coup beaucoup de. C'est une énorme mise à jour super complexe, hein, puisque faut tout changer, tout reprendre, tout changer. Mais et du coup, il va y avoir quelques heures où la chaîne va être inutilisable. La décentralisation des blockchains, c'est super, des layers 2. Voilà, la blockchain va être mise en pause pour faire la mise à jour. C'est comme Windows, le PC va redémarrer. Et une fois qu'il va redémarrer, que les nodes sont redémarrés, tout va être beaucoup plus rapide. Les frais plus faibles, tout va être mieux. Est-ce qu'il peut y avoir des rollbacks? Oui, il peut y avoir des bêtises qui se passent sur Swazis. Ouf, facile. Là, les déposits. Donc, grosso modo, ce que je vais vous conseiller, c'est que demain, vous essayez pas de bridge depuis ETH sur Optimize. Si vous êtes sur Optimize, bah, ne faites pas forcément de TX. Si vous avez de l'argent sur Optimize, que vous avez peur qu'il y ait un problème, enlevez-le, on sait jamais. On sait jamais, enlevez-le avant de le remettre. Même si en soi, il risque rien de se passer. Par contre, je pense que sur le prix de l'optimisme, si ça se passe bien, l'optimisme, je pense qu'il est un peu crash, étant donné qu'il y avait un gros unlock, la supply d'optimisme, elle a explosé. Je pense que le prix, il a bien baissé ces derniers jours, c'était là l'unlock, je pense. Il est à 1,60, il est passé à 1,30. Aïe. De 1,60, il est passé à 1,30, donc c'est là. Moi, je pense que là, en vrai, c'est une bonne. Même si, je devrais pas le dire, mais les tokenomics d'Optimism sont pourris. Là, on voit le mec qui fait de la T, je vais mettre les pourcentages. J'ai pas mis les pourcentages. Petite zone de Fibonacci. Ça a pump. C'est sûr, ça a pump. Non, c'était ça, c'est la règle que je vais prendre. Ça a pris 11. Hein. Bon, bref. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal de miser sur Optimus, même s'il y a eu l'unlock. La chaîne va très bien marcher. Grosse mise à jour. Si tout se passe en succès, tu peux faire un petit flip sur Optimus de 10-20%. Et réutiliser la chaîne qui est, je le rappelle, une des chaînes qui a les meilleurs yields de droite à gauche. Hein. Oui, il a pas trop craqué ça, mais ça c'est un peu toujours pareil avec les unlocks. C'est quoi ces tokens unlock le site hein. C'est unlock token où il y a plusieurs gros unlocks qui arrivent. Ce site est pas mal hein. Pour voir les unlocks qui arrivent. Est-ce qu'on voit les unlocks YGYGX qui arrivent prochainement? Il y a eu Sui en gros unlock, Aptos. En fait, il y a tous les coins avec des tokenomics dégueux. Hein. Optimism, on l'a eu l'unlock, hein, le gros unlock d'Optimism. Où la supply, elle a pouf, elle a bien explosé. Avant après, étant donné que tout le monde le sait, tu as toujours du mouvement. Tu as le Sui qui a, je crois qu'il y a eu cette même semaine, et là tu as l'Aptos, je crois qu'il arrive. Si je dis pas de bêtises, l'Aptos ça arrive, ah, ça arrive pas si rapidement que ça en fait. Hein.
Et tu vois quand même que la tokenomie de l'Aptos, ça va exploser, hein. Ça passe passer de quelques mois, ça va bien exploser. Ah si, le 12 juin. Le 12 juin, il y a pas mal d'Aptos qui vont être unlock. Il y a une cliff qui arrive. Je l'avais pas vu celui-là. Donc dans 6 jours, Aptos, ça unlock. Et là, il y a DOA. Donc si je lis bien le truc, c'est que. Est-ce que là, DOAJX arrive dans quelques jours? Dans 18 heures, bien sûr. Dans 18 heures. DOAJX, il y a un nouvel unlock. Pas tant que ça, 13 millions de tokens. DOAJX qui arrive sur. Ah oui, d'ailleurs, DOAJX cette semaine qui nous ont dit oui, on fait une chaîne Cosmos, mais on n'a pas du tout envie d'être brandé comme Cosmos. Bon. On n'a pas du tout envie de. D'être annoncé comme une chaîne Cosmos. On veut pas être affilié, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est quand même un gros problème que Cosmos soit arrive pas à être vendeur et à dire que les projets intéressants se brandent en disant ben voilà, on existe grâce à Cosmos. Les gars disent bon, on n'a pas du tout envie de parler de Cosmos. Bon, Optimist, c'est fait. Allez, on va parler de Néon. Néon, Néon, qu'est-ce que Néon? Mais c'est même pas zéro marketing, c'est même pas comparé à Elrond God. Tu as raison, il y a zéro marketing, mais c'est surtout que tu as les mecs qui choisissent Cosmos pour la tech, mais tellement que, comme tu dis, c'est pas sexy de dire Cosmos, bah, ils préfèrent dire non, non, nous on fait notre marque X ou Y, tu as BeraChain. Ou quoi, qui essaye de se brander, même Injective qui parle pas trop de Cosmos et qui disent bah voilà, nous on fait notre marque et surtout on parle pas de Cosmos. Alors en soi, ça prouve surtout que si t'as une vraie neutralité chez Cosmos et qu'en soi la tech est supérieure, la technologie est supérieure, c'est super flatteur de se dire bah voilà, les mecs ils te choisissent, ils ont pas envie de faire la pub pour toi, mais ils te choisissent quand même. Voilà, c'est comme l'influenceur qui a vraiment payé son truc. Tu vois, tu te dis, ah oui, il a vraiment acheté son machin, il n'est pas allé, il l'a pas parce qu'il a été payé, tu vois. Donc c'est de ce point-là, c'est bien. Mais par contre, c'est un gros problème de se dire, les gars, ils arrivent même pas, ils sont tellement pas vendeurs que personne, que les mecs, ils veulent surtout pas s'affilier à Cosmos. Bon, ça c'est un souci. Après, le vrai souci, c'est si des mecs sont là un peu en parasite, c'est-à-dire qu'ils profitent de la technologie sans contribuer à tout ce qui est open source. C'est pas le cas de DYDX qui ont contribué, et de beaucoup de projets en fait qui contribuent aussi malgré tout. Même Terra, même tous. Qtera d'ailleurs, Terra c'est un peu bizarre. Des fois ils parlaient de Cosmos, des fois ils en parlaient pas. Bon, du coup, Néon. Alors Néon, il y a la vente sur CoinList qui va débuter. Alors apparemment les inscriptions sont fermées. Je crois que c'est peut-être aujourd'hui qu'ils ont été fermés. Donc c'est la prochaine vente sur CoinList. Néon, d'ailleurs, j'aurais dû mettre mon t-shirt Néon. Bon, ça c'est le mauvais. Néon qui est en fait sur Solana. Qui est l'EVM sur Solana. Donc le VM, les smart contracts en Solidity sur Solana. Donc théoriquement, ça sortait en bull run. C'était bangers incroyable. Et ça, parce que ultra rapide, plus EVM, plus tout, c'était plus frais bas, grosse transaction. C'était encore un truc qui fonctionnait très bien. Je me souviens, je les avais vus quand j'étais allé. Je crois que c'était j'étais allé à Lisbonne et il y avait Néon qui était sponsor. J'avais beaucoup C'était en 2021. J'avais beaucoup entendu parler de Néon. Et depuis, patatras, ça a pris beaucoup de retard. Et depuis, j'ai entendu beaucoup de mal sur Néon, de diverses sources. Mais sans vraiment me dire
sans vraiment dire, j'ai pas réussi à savoir ce qui se passait de bizarre chez Néon, mais je sais qu'il se passe des choses bizarres. Et qu'il y a des choses, j'ai eu des mecs qui disent ouais, Néon c'est de la merde. D'autres, ils ont annoncé des mainnets et ils l'ont pas fait. Du coup, paradoxal Néon, c'est paradoxal, ils ont reçu beaucoup d'argent. Néon, je l'avais sorti là, ils ont reçu 40 millions en novembre 2021. Évaluation à 248 millions. Donc c'est beaucoup. Et là, ils essayent de vendre 5 millions de dollars supplémentaires pour une évaluation à 100 millions. Donc, du coup, plus de deux fois moins cher que ce qu'ont touché les VC il y a 2 ans en plein boule. Donc, c'est pas très cher. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur Néon? On peut en acheter que 500 dollars, donc c'est rien du tout. C'est pour ça que je vais essayer d'en acheter. Moi, personnellement, et ce qu'ils ont fait, Néon, du coup, vous pouvez vous inscrire sur Coinlist. Je sais pas si vous êtes. En fait, Néon, sur le papier, c'est très bien. Hein. Moi, c'est juste, c'est tous ces bruits de couloir que j'entends qui me refroidissent beaucoup. Et sûrement les tokenomies qui sont très mauvaises, qui fait que je ne holderai certainement pas du Néon. Par contre, je pense que sur les exchanges et en vente Coinlist, tu as moyen de faire du profit. Surtout que ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une vente. Du coup, bon, allez, je vous montre mon Discord. Pour ceux qui étaient sur le Discord de Néon, ils ont fait un lien où vous vous enregistrez avec votre Discord. Et vous êtes du coup prioritaire sur la queue. Vous serez du coup peut-être prioritaire sur la queue pour acheter des tokens. Un peu comme Appressui, il y a encore un autre projet qui donne des avantages à ceux qui étaient sur leur Discord. Ça fait deux. Du coup, c'est une constante. C'est maintenant, soyez sur le Discord de tous les gros projets. Il faut être sur le Discord. C'est la constante, c'est chiant d'être sur ces gros Discord parfois qui sont un peu inutiles, mais il faut y être. Donc après, la roadmap de Néon en soi, elle est très bien. Tu as des swaps, tu es censé avoir. En fait, c'est comme FMOS, c'est l'EVM sur Cosmos. Néon, c'est sur Solana, donc Solana est plus rapide et a potentiellement beaucoup plus d'utilisateurs que Cosmos. Plus des meilleurs bridges, plus tout, 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 donc ça a possiblement marché, mais la seule chose c'est que Néon, c'est le mainnet aurait dû arriver en 2021. Depuis, il n'y a rien. Néon, je me souviens qu'en septembre dernier, octobre dernier, il devait y avoir le mainnet. On est en juin, je crois qu'il n'y a toujours pas de mainnet. C'est voilà. D'ailleurs, il y a un. Comment on prouve qu'on est sur le Discord? Ben, c'est tout simple. C'est. En fait, c'est même pas tu étais sur le Discord. De toute façon, maintenant, je crois que c'est trop tard. C'était tu devais en fait. Tu avais ce lien là sur le Discord de Néon où tu devais être présent sur le Discord, je crois, avant février. Si tu étais présent avant février, tu pouvais te vérifier sur ce, tu pouvais vérifier une wallet sur ce site qui te donnait du coup accès à la si ta wallet c'était la même sur ton compte Coinlist, un accès prioritaire sur la queue pour acheter il y a un mainnet, mais pour les devs, oui, mais si y a un mainnet pour les devs, c'est un testnet. Et oui, il y a un testnet, j'avais fait le testnet il y a très longtemps, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Moi, c'était un mainnet, un vrai mainnet avec de l'argent. Et non, il n'y a pas de mainnet sur Néon, si je dis pas de bêtises. N'y a rien. Tu pouvais faire des swaps à l'époque sur MetaMask, j'avais ajouté.
Donc c'est très bien. Ça marche très bien. Multichain, gros problème sur multichain d'ailleurs. Faites attention si certains sont sur Kava. Mettez pas d'argent sur Kava. Kava, ils ont beaucoup de tokens qui sont multichain. Gate.io, pareil. Multichain, il y a les fondateurs qui sont en prison, qui sont fait arrêter en Chine. Bah, vu les ventes CoinList, oui, je pense que c'est mort. D'ailleurs, alors je sais pas, en vrai, je sais pas si c'est vrai. J'ai vu que soi-disant tu pouvais vendre ton compte Discord assez cher. Bonne question si c'est vrai ou pas. J'ai pas essayé, il faudrait que j'aille voir. Donc, je sais que c'est. C'est le meilleur moyen pour se faire scam, ce genre de choses. Les ventes de comptes OTC, Discord et tout, c'est le meilleur truc pour se faire scam. Donc moi je vais tout simplement essayer. Moi j'ai la chance de pouvoir peut-être investir, donc je vais essayer. Tu me donnes 25, hop. Bah ouais, je te vends pas. Pas sûr. Pas sûr que je te le vende, mais 25, hop, c'est un peu léger. 25 ETH peut-être. On peut discuter. Soi-disant, ils vendent 2000 TPS. Par contre, s'il y a vraiment 2000 TPS sur de l'EVM, sur un truc plus ou moins décentralisé, bah, les gars, c'est incroyable. Hein. Mais pour moi, c'est pas possible d'avoir 2000 TPS. Par contre, voilà, peut-être à trader, ce sera intéressant. Les mecs te vendaient du rêve. Parce qu'en soi, c'est vrai que tu achètes à 100 millions de FDV. Donc de FDV, tu as facilement un launch où le truc il est au niveau allez d'un qu'est-ce qu'on va dire? D'un injective. Il y a moyen que ce soit au niveau d'un injective. Tu as dans ces eaux-là au launch. Un petit top 100, t'es sur eux, t'es aux alentours d'un milliard. Et si la FDV peut être encore plus folle, peut être à un milliard, s'il y a moins de supply au launch, bah, tu te retrouves avec un x10 facile sur 500 $. Ça fait le moins. Voilà. Donc là, on va un peu finir. On va juste parler des NFT. Rapidement, parce que les NFT, les gars, sur Solana, c'est toujours la folie, les gars. Mad Lads, sans sol. Est-ce que certains ont réussi? Attends. Ah putain, c'est le mauvais prix. J'ai le mauvais prix. On est à 94, on peut pas encore passer les 100 sol. Mais quand même, ça reste la folie. Est-ce que certains ont gardé leur fameux Mad Lads. Est-ce que je joue à faire le petit calcul sur mon portable pour voir combien l'FDM a distribué de théoriquement d'argent au holder, puisqu'on a donné 35, si je dis pas de bêtises, voire 36. Attendez. 25, 35, 36. 36 fois 100. 3600 x 20. Pas plus. Y a une embrouille là. Je pensais qu'on aurait plus. Je suis déçu. On vous a donné que 80 000 dollars. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont toujours leur Mad Lads, qui ont toujours gardé. Bah bien joué à ceux qui l'ont encore. N'hésitez pas à prendre vos profits en vrai si ça commence à faire. Eh oui, beaucoup vendent déjà, hein, c'est normal. Hein. C'est pas facile de garder. Et c'est là qu'on comprend que en fait. Sans compter Ulysse qui avait vendu lui tout seul. Qui tout seul avait eu un skull. Les skulls qui en ce moment. Je savais que j'aurais dû lui acheter à Ulysse.
Pour vous dire. Tac tac tac. Traits. Comment ça se vend un skull? Cheap, ça se vend cher. Hein? 1300. Est-ce qu'il y a des ventes? Oh oui, à 1100 sols. Putain, incroyable. Incroyable, incroyable. Ça se vend très cher. Hein. Ça se vend très cher. Les NFT, ouais. Et quand même, les NFT, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça marche très bien. C'est les NFT sur Solana. Autant sur ETH, ça marche très mal pour moi. Mais sur Solana, on se fait. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire une petite confidence. Cette semaine, c'est moi qui ai gagné un giveaway. J'ai eu beaucoup de chance. C'est que Tensor a fait. Je sais pas si ça. Faut que je connecte une wallet, peut-être. Cette semaine, c'est moi qui ai gagné un giveaway. Non, je vais mettre celle-ci. Non, on ne va pas vérifier. Je sais pas si on le voit. Mais Tensor a fait des. On est très loin de la bonne époque, mais franchement, quand tu mintes à 6 sols et que tu te retrouves à 100, bon, c'est sûr que c'est pas du one day, mais c'est pas mal. Bon, du coup, j'arrive pas à voir où c'est encore une fois. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que Tensor a fait des giveaways de box sur les Mad Lads, pour ceux qui avaient tradé les Mad Lads. Pour ceux qui avaient tradé les Mad Lads, ils ont eu la possibilité d'avoir des chances de gagner des box et de gagner un Mad Lads. Et j'ai gagné un Mad Lads. J'ai eu airdrop un Mad Lads. Un jour, j'ai reçu un Mad Lads dans mon wallet. J'ai fait d'où il sort. Je croyais que c'était un scam. J'ai du coup eu un autre Mad Lads en plus de mes Mad Lads. On prend. Hein. Pour une fois, c'est moi qui gagne un giveaway au lieu de vous faire décroquer. C'est magnifique. Après, oui, c'est sûr que sur Solana, t'es pas à la bonne époque. T'as beaucoup moins de projets. Mais tu as encore des x2. C'est sûr que tu fais pas des x10 comme au début à chaque fois. Le volume est ridicule. Mais en étant très sélectif. Et oui, Sajib, j'allais y venir. Il y a Sol Casino. Même si ça redip un petit peu Sol Casino. Non, non, je l'ai pas burn. Bah ouais, je vous dis les gars, d'un coup, un jour, je reçois un Mad Lads, je vois une TX, Mad Lads en plus. Je fais, mais d'où est-ce que ça sort? Qui veut essayer de m'arnaquer? Je regarde le wallet, je vois qu'il a envoyé 4. Je regarde un peu on-chain, je vois, ça me reconnaît bien comme un Mad Lads, je vois sur Tensor, je me connecte. Ça me dit pas giveaway, ça me met pas de TX, je me dis. Parce que aussi comme je fais des lands sur Sharky, je me dis tiens, peut-être j'ai récupéré un land d'une histoire, mais non. Pour une X ou Y raison, mais en fait non. Puis en fait, je vois on-chain que le wallet, est-ce qu'il y en a un qui a réussi à faire des faux Mad Lads, qui les envoie pour me scam? C'est de suite, ouais, on veut me scam mais j'ai pas gagné un giveaway, c'est pas possible. Et après, je suis allé voir, oui, bien sûr, en fait, oui, j'avais bien gagné un giveaway. Magnifique. Et du coup, ce qui marche bien là aujourd'hui, c'est Sol Casino. Sol Casino qui est magnifique. C'est magnifique, Sol Casino. On est. C'est monté à 60 sols cet après-midi. Bon, d'ailleurs, le mec, je sais pas qui c'est qui a sweep. Bon, là, on est revenu au départ. Hein. Le truc à pump avant de dépump, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a tout acheté. Et là, on est bien sur Solana où tout le monde thundercut. Solana, la chaîne où tout le monde thundercut de fou. Mais Sol Casino, on est vraiment. On en avait parlé au début. Sol Casino, pour vous dire, je les ai achetés vraiment pas cher, les Sol Casino. Ben, c'est même pas.
Alors je sais pas si c'est fois depuis la dernière fois, non, je pense que c'est. Enfin, pour savoir combien je les ai achetés moi, c'est pas x2, puisque pour vous dire, sur le casino, je les ai achetés. Je les ai achetés à... entre 12. Alors 12, c'est celui que j'ai mint. Et après, je les ai achetés entre 13 et 15. 15-16 sols. Je les ai achetés. Peut-être, je pense qu'on en avait parlé, c'était sûrement à 20 sols. Donc sûrement, oui, tu as raison, ça fait x2. Et comme tu dis, on a tous récupéré 12 sols sur le NFT. Et là, maintenant, c'est 40, 41 sols. Donc c'est très propre. C'est très très propre dans les plus-values NFT du jour, sachant que vous pouvez stacker, vous avez locké. Donc pas tous en lock. Moi j'ai la moitié de mes NFT qui sont encore lock. L'autre moitié qui ne sont pas lock et que j'ai vendu. J'en ai vendu là vers les 40 sols, je les ai vendus ce week-end, je les ai vendus la plupart. Mais vous pouvez les stacker pour avoir du token. Le token qui en fait, bah du coup. Attends, c'est pas ça. Le token qui du coup gère vraiment le prix. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est où il est où le burn? Est-ce que vous avez vendu l'airdrop burn? Ah oui, putain, ça a bien dit. Putain, c'est le bon ou pas? Parce que je voyais qu'il y avait deux. Est-ce que vous avez vendu l'airdrop burn? Pour ceux qui ont des malades, on a reçu un airdrop. C'est pas celui-là, mince. Ça, c'est bien ça. Je sais que j'en ai dans mon wallet de ça. J'en ai reçu un airdrop aussi. À mon avis, c'est pas terrible. Voilà, c'est CAFAT. En principe, vous en avez reçu 10 000. Là, je sais pas ce que ça fait. Là, je pense que ça fait pas grand-chose. Parce que moi, je les ai vendus. Peut-être. J'ai récupéré 5 sols, je crois. Sur le wallet que j'avais d'ailleurs. C'est un peu embêtant d'avoir tout sur le même wallet. Mais du coup, tout bénef. Petit 4 sols de bénef. Et du coup, oui, donc pour revenir à Sol Casino, vous avez le token SCS. En fait, le prix des Sol Casino est vraiment lié au prix du token Sol Casino en lui-même. Et là, le token DIP, le NFT DIP, le token Pump, le NFT Pump, c'est tout simple. En stackant vos tokens, vous gagnez, si je dis pas de bêtises, 1650 tokens en fonction de la rareté du Sol Casino par jour. Et vous avez un an de stacking dans le Sol Casino, dans le NFT. Donc si vous avez encore des Sol Casino, vous pouvez pas les, vous savez pas quoi faire, vous pouvez et que vous voulez dérisquer, on va dire, vous allez vendre 40 sols, j'ai envie de vendre, mais j'ai envie de garder un petit peu de Sol Casino. J'en ai qu'un, mais j'en veux 0,5. Bah, vous vendez, vous rachetez 20 sols de token que vous pouvez stacker, ça vous fait à peu près la même exposition que si vous aviez un Sol Casino. C'est ma théorie. Alors en fait, c'est pas quel que soit le nombre de NFT, c'est en fait Sol Casino, ça fonctionne que tu as un an dans le token, dans ton NFT, tu as un an de stacking, en gros, où chaque jour tu touches là les 1600 et quelques. Et chaque jour, tu as touché les 1600 et quelques pendant un an. C'est tout. Si tu le stack. Et en gros, si le tien, il n'a jamais été stacké, si tu... Alors ça, c'est... Ça, je pense que ça marche comme ça. Hein. Si tu as... Alors ça, d'ailleurs, faudrait voir. C'est dommage que tu puisses pas le voir on-chain. Parce que si tu en as un qui a jamais été stacké, tu as plus de tokens dedans que celui qui a été stacké depuis le premier jour. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. C'est que si moi j'ai mon NFT que j'ai jamais stacké dans mon wallet et qu'il y en a un, ça fait un mois qu'il a stacké. Lui, il lui reste plus que 11 mois de stacking, alors que moi il me reste 12 mois de stacking sur mon NFT. Donc si en théorie, si dans 12 mois Sol Casino est au niveau de Rollbit ou X ou Y Casino,
Ouais, potentiellement, tu as beaucoup plus de valeur à en avoir un qui n'est pas stacké, puisque tu as des tokens dedans. Voilà. Du coup, pour Sol Casino, qui marche bien, hein. Bon petit flip, NFT. Là, NFT, je vous avoue, par contre, c'est vraiment la misère et je vois rien d'excitant à l'horizon sur les NFT, sur Solana. Il n'y a aucun mint qui arrive d'excitant, il n'y a aucun. Il n'y a rien de qui me fait frétiller de là que qui me dit intéressant. De toute façon, je vous avoue que depuis le début de l'année, il n'y avait pratiquement que Mad Lads qui m'avait intéressé. Et là, j'en vois pas grand-chose. J'essaie de réfléchir et je ne vois pas. Donc, il y aura peut-être d'autres. Tiens, les mints, il y en a beaucoup moins des mints. Mais si tu achètes un maintenant, il y a. Ben non, justement, Tosh, c'est le truc, c'est que tu sais pas en fait. C'est que là, tu peux pas trop le savoir puisque, en théorie, tu peux. Il y en a qui ont été stackés un mois. Quand tu l'achètes au marché, tant le tien il a été stacké un mois, tant il a jamais été stacké. Tu le sais pas. À moins de le voir on-chain ou d'avoir une méthode que je ne sais pas, parce que je vous avoue que j'ai pas passé mes journées à théorie crafter sur le casino. Je sais pas si le. Mais ouais, à voir sur le Discord de Sol Casino s'il y a quelque chose, mais j'ai pas vu passer ça. Donc voilà. Et je pense que c'est. Je vais faire le dernier des giveaways et on est bon pour ce live. Hein. Les amis, on est bon. Si vous avez une question de quelque chose, quoi qu'est-ce, et on se retrouve bientôt. On se retrouve vendredi avec pour Neutron. Parce que s'il y a quelqu'un qui a une petite question, X ou Y, demain on rate pas Optimize, Bedrock. Et franchement, Optimize pour farm du NFT, faire de la LP sur ETH, avec Arbitrum quand même. Mais Optimize est vraiment pas mal. Et je pense que les tokens Optimize entre Vélodrome et Optimize. Il y a moyen que ça marche bien, d'avoir un bon futur dessus. Le stream swap de Gitopia. Ah, le stream swap de Gitopia qui s'est passé, qui je crois que c'est. Alors, celui-ci, je suis pas allé dessus. Je vous ai pas dit. J'en ai parlé. Mais je l'ai pas fait. Gitopia, je sais que le. J'ai vu Shizu qui est sur le Discord, vous y êtes allé. Certains y sont allés. J'ai vu qu'ils avaient un souci. Arnaud live. Ah, il y a l'IBC qui est live. Ça, c'est cool. Et si je dis pas de bêtises, bah, du coup, on va regarder sur TFM. Sûrement, sur TFM, on va avoir le cours. Dex, ProSwap. La poule, du coup, sur Osmosis. Elle est en l'or. Osmo. Ça marche pas. Non reconnaissable. Il n'y a que certains tokens. Bon, on va sur un faux Osmosis. Hein. On va rester sur la bonne vieille méthode. Ben oui, Gitopia. C'est vraiment un truc de dev, comme tu dis. Ça t'étonne pas. Moi, c'est pas vraiment ça qui me. En soi, c'est vraiment un truc de dev, mais il faut pas oublier que là, en crypto, ce qui reste, c'est quand même les devs. Hein. Il reste plus grand monde. Et c'est même pas sur info, du coup. Là, vous voyez que j'ai vraiment pas touché au lore. C'est. Que là c'est sur que sur il n'y a pas de poule non plus c'est sur Frontière qui est et sur Osmosis Frontière parce que là je le vois pas
Mais oui, Geektopia qui est du coup. Yes, c'est sûr. Ouais, un, ça fait pas rêver. Et deux, bah. Merci. Bah, c'est comme tu dis, c'est un truc de dev, de full dev. Mais en soi, ça, c'est pas un problème, hein, puisque la trois quarts des cryptos, c'est des trucs de dev. Hein. Mais c'est complètement inconnu, ils ont vraiment pas le. Ils ont vraiment pas la. Les contacts, c'est une team d'Anon, ça fait peut-être 2 ans qu'ils font leur truc, personne n'en avait entendu parler avant. Je crois que c'était à combien? C'était à 17 cents ou c'était à 11 cents? Ah non, là c'est à 6 cents. C'était à 10 ou 12, non? Le stream swap. Donc, c'est. Moi, je vais vous dire, je le sentais un peu, le stream swap allait mal se passer. Ou risquer de mal se passer sur les prochains. Tout simplement pour une chose, c'est que OmniFlix a bien marché. À partir du moment où OmniFlix marche bien, tous les autres, tout le monde va se dire, ah, c'est super, stream swap, on va faire des profits et on va y aller plus que de raison sur le prochain token. Du coup, c'était 1 LOR, c'était 0,10. Du coup, t'es quand même en perte de pas mal. Hein. Si tu as mis beaucoup sur. T'es en perte de 40%, ça commence à faire. Sur ton LOR. T'as la poule qui sort avant. C'est bizarre, c'est que la poule elle sort avant. Faut que tu m'en qu'on en parle en vocal. Parce que, genre, ils font la poule, le stream où tu peux trade. Ouais, c'est possible. C'est possible, parce qu'en fait, je crois que c'est justement c'est le principe de stream swap. Et sauf qu'en fait, les gens, ils n'utilisent pas StreamSwap comme il faudrait. Ou en fait, il faudrait que justement, si c'est moins cher sur la pool, tu devrais retirer du stream tes Osmo quand tu peux. Et en fait, personne. Parce qu'en principe, la pool, elle arrive juste après, de ce que je comprends. Et justement, dans le stream, tu es censé pouvoir trade et retirer pour avoir ton bon prix. Mais ce qu'il y a, c'est que les launchpads, bah, c'est toujours, t'as toujours l'excitation des gens qui veulent en avoir. Et tu n'auras jamais un fair price vraiment à 100%. Donc c'est la difficulté. Bon. On fait le dernier giveaway et on se laisse. Et il y a Nolus qui arrive. Nolus, qu'est-ce qu'ils vont faire Nolus? Nolus, je crois que. Ils nous ont pas airdrop, du coup les tokens de testnet, ils vont le faire. Et d'après ce que j'ai compris, il va y avoir besoin d'une nouvelle. Du coup, ils vont devoir créer des nouveaux tokens. Du coup, ça doit passer par la gouvernance, logiquement. Et il va falloir faire une proposition de gouvernance pour créer des nouveaux tokens. Bon, c'est une formalité, mais c'est juste que ça joue du temps, quoi. Ça ajoute du temps, donc si tu ne les as pas eu avant, bah tu ne les as pas. Douceur, il peut pas faire tourner son node. Et oui, Douceur qui a fait un node. Qui du coup, bah, Douceur voulait être sur le mainnet. Voulait essayer d'être sur le mainnet. Il nous a fait ça un peu clac. Il s'est dit, allez, vas-y, j'essaye. Il y a moyen que j'arrive sur le mainnet sur Nolus. Après, parce que faut savoir qu'en fait c'est. Et là, ça devient un peu difficile. Hein.
là ça devient difficile pour lui de rentrer sur le set de Nolus parce que ouais, au plus t'attends, au plus c'est difficile. Hein. Ah oui, si, sinon aussi, Proposal Cosmos Hub. Sachez que qu'avec Enigma, on a fait une proposition de gouvernance. Enfin, on a participé à une proposition de gouvernance sur Cosmos. Qui est du coup en plus en train de passer, je pense. Augmenter les validateurs de 100, à 180, donc ajouter 5 validateurs sur la set Cosmos. Parmi les personnes qui ont déposé dedans, il y a le validateur français avec qui je suis un petit peu, qui est Enigma, on a fait ces qui ont bon, participé, qui ont soutenu. Hein. Dans le but. Qu'est-ce que. Ben ouais, comme tu dis, l'idée, ça serait ça. Hein, ça serait de. En vrai, faudrait qu'on en parle vraiment avec douceur. Et qu'on fasse ça à fond pour faire des validateurs. Et faire ça vraiment carré techniquement. Mais c'est une super méthode pour se rémunérer la chaîne proprement, sans faire trop de placements de produits, de quoi que ce soit, et faire tout ça bien, faire des validateurs et se rémunérer dessus. Mais il faut savoir que validateurs, en réalité, les trois quarts, ils sont à perte, et il y a très peu de chaînes où tu es vraiment rentable en tant que validateur. Et soit faut mettre des fees énormes, soit faut être très très haut dans les classements, mais si tu es au fond du classement, tu gagnes pas la. Tu gagnes pas tant que ça. Hein. T'es pas le roi du pétrole. Hein. Tu gagneras plus à être influenceur, à faire. Enfin, influenceur. Et encore nous, on fait aucune placement de produit, aucune vidéo sponsor pratiquement. Mais tu feras plus d'argent à être influenceur trading et à faire des trading shitcoin qu'à être validateur. Mais il y a quand même un business et c'est surtout tu paries sur le fait que Cosmos marche bien. Bon allez, dernier petit giveaway. Dernier 25, donc après Tosh et David, si je dis pas de bêtises. Tosh qui. J'espère que t'as une femme gentille. Parce que tu commences à gagner beaucoup. Non, en vrai, sur 27. Et Uther Pendragon, encore un énième gagnant, vous gagnez tous. Plusieurs fois, c'est magnifique. Bravo à vous. Je sais que t'es là. Je t'ai vu poster si je dis pas de bêtises. En plus, mon ordi a bientôt plus de batterie. J'ai oublié de le brancher. Again and again. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est incroyable. Il y a de la triche. Tac, tac, tac. GG. Bon, dernière petite instance, si vous avez une petite question, un petit truc, un petit ajout. Et toi, t'as toujours pas gagné depuis le début. Bah, comme quoi, y a pas de justice dans la vie. Honnêtement, si je pourrais, je dirais, tant que vous n'avez pas gagné, on ferait gagner tout le monde. Parce que c'est. Il y en a certains qui ont gagné deux fois, trois fois. Là, c'est vraiment les statistiques. Mais est-ce que tu participes bien? Est-ce que tu commentes bien? Et tu likes et RT? Et est-ce que tu as surtout un compte Twitter qui est actif? Est-ce que tu as un compte. Parce qu'il faut que. Je sais pas si tu as vu, mais dans les conditions que je mets, il faut que tu sois actif sur Twitter. Donc là, en principe, la durée, tout le monde a. Tout le monde l'a, la durée. Mais les tweets, c'est 50. Donc n'hésite pas, juste. Il faut avoir plus de 50 tweets. Donc n'hésite pas à commenter nos tweets à chaque fois qu'on tweet, que je tweet, que moi je tweet. Et après, il faut avoir que un mois. Donc en principe, vous êtes tous. Bon, messieurs, je vais quitter le stream. Enfin, messieurs, dames, peut-être. En principe, il n'y a plus de grandes chances que ce soit messieurs. Qu'est-ce qui compte comme un tweet? Tout. Un commentaire, si tu fais une réponse à notre tweet, ça compte comme un tweet. Si tu fais un tweet tout seul, ça compte comme un tweet.
Et je pense que, de toute façon, tu le vois sur ton profil. Les replies, oui, les replies comptent. Les quotes comptent. De toute façon, tu le vois. Hein. Moi, je suis pas très actif sur Twitter. C'est où qu'on voit. J'ai 900 tweets, tu vois. Moi, c'est. Mais ça monte très vite. Hein. Un petit récap. Mais ça, Badixo, c'est que tu as raté le début du live. Oui, renvoie-moi toujours les adresses parce que si vous savez, même si ça m'évite de chercher pendant dans tous mes messages, c'est mieux de renvoyer. En fait, c'est Binance, c'est le fait que Binance soit su par la SEC. Mais c'est le début du live, donc je pense qu'il y aura la radif, tu pourras regarder. Là, on va quitter, mais c'est elle ou ma gourde. C'est Binance. C'est Binance qui s'est fait attaquer par la régulation américaine. Bon allez, on vous laisse. Est-ce qu'il est pas beau mon Madlad? Il est magnifique. Bonne soirée les gars. Et à vendredi, n'oubliez pas vendredi, soyez là. Live Neutron. Ça sera intéressant. Bonne soirée. Ciao.